à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Mais d'abord, je tenais à vous souhaiter un très joyeux Noël parce que normalement, si j'ai pas été trop lente au montage, vous devriez regarder cette vidéo plus ou moins encore dans les périodes des fêtes. Et j'espère que elles ont été agréables pour vous malgré voilà cette année qui était vraiment pas facile. Et je vous souhaite plein de bonheur pour 2021 et j'espère que ce sera vraiment une meilleure année que 2020. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer les cadeaux que j'ai reçus pour Noël. Non pas pour faire la maline, mais simplement parce que ma famille a vraiment axé Noël cette année sur l'éco-responsabilité, sur des marques belges, etc. Et donc je me suis dit que c'était l'occasion de mettre en valeur toutes ces petites marques belges des cadeaux que j'ai reçus. C'est parti, tout de suite on commence la vidéo. Alors le premier cadeau que j'ai reçu, c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même parce que Noël c'est aussi ça, c'est se faire plaisir à soi-même. Et c'est un cadeau qui vient de chez Marlène Rougier. Donc Marlène Rougier c'est une Française qui a un concept trop cool que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui est l'upcycling d'anciens vêtements, donc des vêtements de seconde main. Et notamment un truc que j'adore qu'elle fait, c'est prendre des chemises d'hommes de seconde main de marque et en les transformer pour en faire des ensembles de pyjamas pour filles. Donc moi j'ai pris celui-ci, qui est donc une chemise Ralph Lauren rose, trop belle. Vous allez sûrement me voir bientôt sur Instagram avec cette tenue, et donc le short qui est assorti, qui est trop joli. Et elle m'a également mis un petit cadeau trop gentil dans le colis, c'est ce magnifique polo qui a vraiment une chouette couleur, et je pense que sur un jeans bleu, il peut vraiment être super sympa. Tout de suite, on passe au deuxième cadeau. C'est une marque dont j'ai déjà parlé souvent sur mon Instagram. C'est la marque Mixense. Donc c'est vraiment ma marque de cosmétiques de prédilection. C'est une marque belge qui utilise des produits bio, vegan et naturels. Et ils sont vraiment de super conseils. J'adore cette marque. Ici, j'ai reçu d'abord le coffret visage, qui est vraiment un super cadeau, ça fait toujours plaisir. Et à l'intérieur, il y a une lotion revitalisante tonique. Il y a également un démaquillant, enfin un coton démaquillant en bambou et une crème pour le visage avec du jojoba. Donc trop chouette. Mais c'est pas tout ce que j'ai reçu de chez Mixense. J'ai aussi reçu deux sérums. Donc j'ai reçu l'huile de soin pour les cheveux, qui est donc un flacon de 100 ml qui est rechargeable, donc ça c'est vraiment un gros plus. Et de nouveau c'est au jojoba et à l'argan, donc plein de vertus pour les cheveux et c'est naturel, donc trop chouette. Et j'ai également reçu le sérum visage que je mets tous les jours, dont je vous ai déjà parlé, et c'est trop chouette parce qu'il donne vraiment un teint bonne mine, un teint allé sur le visage, donc trop contente de ce produit. Mais c'est pas tout chez Mixense, j'ai également reçu un masque à l'argile. En hiver, personnellement, j'adore faire des masques. Je trouve ça super cocooning. Et voilà, de nouveau, toujours bio, naturel, etc. Et enfin, je pense mon cadeau préféré de chez Mixense, ça faisait vraiment longtemps que j'en voulais un, c'est un mascara rechargeable et bio. Donc je suis super contente parce que j'ai vraiment décidé de pousser encore le zéro déchet et l'éco-responsable plus loin dans ma salle de bain. Donc j'étais déjà passée au shampoing sec, au l'après-shampoing sec, au dentifrice, etc. Mais là j'ai vraiment envie aussi de passer le cap pour les cosmétiques. Et donc ce petit mascara va m'être très utile. Et le fait qu'il soit rechargeable, je trouve ça vraiment cool. Ça m'a toujours fait mal au cœur de devoir jeter mes mascaras quand ils étaient vides. Donc vraiment trop contente. Tant qu'on est dans les cosmétiques, j'ai aussi fait une petite commande Casidomi, encore un cadeau de moi à moi, pour justement encore d'autres choses de maquillage bio et vegan. Donc j'ai pris une poudre nude, comme ceci. Ça vient de la marque Avril et j'ai trop hâte de tester. Et j'ai également pris la même, mais en
un peu plus foncé, donc voilà, je vous ferai mes reviews après. Et j'ai pris aussi le fond de teint à l'huile de jojoba, donc trop chouette parce que je pense qu'il va aussi venir un peu apporter des vertus à la peau et pas seulement maquillage. Et puis j'ai pris un anti-cerne, donc ça j'ai trop hâte de tester, je vous ferai sûrement mes petits feedbacks sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir ces feedbacks là. Alors, ensuite, j'ai reçu de la marque Drink Big Bottle, une gourde, comme le nom l'indique. Donc c'est une super chouette marque créée par deux Namurois, donc de nouveau c'est belge. Et voilà, une gourde, c'est toujours pratique pour éviter le plastique. Franchement, elle est trop belle, elle est trop canon. Et ce qui est cool, c'est qu'elle est en acier, donc on peut tout à fait mettre du chaud à l'intérieur et elle va très bien garder la chaleur. Je pense que ça, je vais la prendre avec moi à Madrid, elle va vraiment être hyper utile. Le format est super chouette. Je suis vraiment conquise, j'ai trop hâte de l'utiliser. Alors, encore un cadeau que je me suis fait à moi-même, c'est ce joli plateau en bois. Ce plateau, c'est un ami de ma sœur qui a lancé récemment son concept sur Instagram. Il reprend des chutes de bois, notamment des palettes, etc. pour en créer des choses artisanales avec du bois. Donc ici par exemple, ce joli plateau en bois. Franchement, il est trop beau, ses prix sont hyper démocratiques. Et voilà, il continue à lancer d'autres créations, comme par exemple des petites tables basses ou des supports pour téléphone. C'est vraiment un super chouette concept que je vous invite à aller voir sur Instagram. Mais de toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Mais je suis trop contente de ce plateau. Et alors enfin, le dernier cadeau, et pas des moindres, c'est le plus gros cadeau. C'est ma maman qui a craqué pour me faire plaisir parce que ça fait des années que je demande ce cadeau. C'est un plaid à grosse maille. J'en rêvais vraiment, mais je voulais pas acheter un de mauvaise qualité, ni sur Wish, ni sur Amazon, peu importe. Donc j'ai vraiment cherché quelque chose d'artisanal et j'ai trouvé Mélisse Création qui en fait en France. Et donc je suis trop contente, il est super beau, je vous le montre, mais c'est un peu lourd, il est trop chouette, franchement, il est fou, il est trop bien, j'ai trop hâte de le mettre au coin du feu en hiver, je pense que ça va vraiment être mon allié de l'hiver, il est vraiment trop trop chouette, et donc c'est avec de la laine mérinos, donc c'est des plaids de grosse maille, voilà, donc je suis super contente d'avoir découvert cette créatrice qui fait des petites pépites comme ça. Hop, je le range. Voilà, je pense que j'ai passé tout en revue. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je suis encore débutante à ce niveau, donc j'espère que ça a quand même été agréable pour vous de regarder cette vidéo. Si vous aimez ce que je fais et que vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça m'encourage fortement. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je suis beaucoup plus active que sur YouTube. Donc je vous mets mon compte juste ici. Comme ça, vous pourrez me suivre au quotidien. Je partage vraiment des bons plans, des astuces pour être plus responsable dans la vie de tous les jours. Et je vais également essayer de vous partager un maximum de chouettes contenus quand je vais partir à Madrid. Je pense que je vais vraiment partir avec ma caméra et je vais essayer peut-être de vous faire quelques petits vlogs, en tout cas de vous emmener avec moi pour vous faire un peu découvrir cette chouette ville que j'ai vraiment hâte de découvrir moi aussi. Et voilà, je vous souhaite encore de très bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao !